إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue ce naqid parmi les naqid de l'islam et on est يعني toujours dans le sixième naqid, c'est-à-dire le fait de se moquer de qu'est-ce qui a rapport avec l'islam. Et quiconque se moque de l'islam, de ce qui a rapport avec l'islam, il entre dans ce naqid et il a quitté l'islam. Et ça, c'est le point, c'est le cours 24 maintenant qu'on commence. Donc, le cheikh, il dit, à propos de ceux qui, il se moquent de certaines choses de la religion, il dit, ويقولون نتحد فيما بيننا نتحد فيما بيننا ولو كان بيننا قبوري أو شيعي من أجل أن نقاوم الإلحاد الله المستعان ونقول لهم ما هو الإلحاد فيقولون الإلحاد هو إنكار الخالق فنقول لهم والشرك وعبادة غير الله أليس هو من أعظم الإلحاد بل هو من أشد الإلحاد والذي يسب الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم وهو من الإلحاد هو من الإلحاد كذلك وكالذي يسب الصحابة ويتنقص عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ويصفها بما برأها الله منه وهذا متنقص للرسول صلى الله عليه وسلم و متهم له وأن في أهله سوءا وأنه يقر السوء في أهله نسأل الله العافية وأن الله اختار لرسوله صلى الله عليه وسلم زوجة فاسدة هذا تنقص لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وأن الرسول صلى الله عليه وسلم رضي بها وهي فاسدة فهذا كفر صريح للشيخ explique maintenant. Il répond à une shubha de la part des chizbiyin et les gens de bid'a d'aujourd'hui. Ils répètent toujours ça. Et ils disent, nous, on veut se réunir entre nous. La personne qui adore les tombes et la personne qui est chi'i et chiite, hein, dans le but de combattre l'athéisme, hein. Ils disent même qu'ils s'unissent avec les chrétiens et qu'ils s'unissent avec les juifs et qu'ils s'unissent avec les laïcs, hein. Peut-être les laïcs, il y en a parmi eux, disent qu'ils sont des croyants. Donc, auzubillah. Donc, ils disent qu'ils s'unissent avec les chiites, avec les chrétiens, avec les juifs, avec les chiites, avec les gens qui adorent les tombes, parmi les gens qui se disent musulmans. Et pourquoi? Pour combattre l'athéisme. Hein? Et donc, le mot en arabe pour dire l'athéisme, c'est al-ilhad. Et al-ilhad, en réalité, on l'applique ou on l'utilise pour décrire ceux qui sont athées, parce qu'ils ont nié Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, hein, parce que ça c'est une des significations du mot ilhad, hein, mais eux ils comprennent pas que le mot ilhad ça comprend beaucoup plus que l'athéisme, c'est pas seulement l'athéisme, et c'est pour ça que le cheikh il dit, on leur demande, et qu'est-ce que c'est al-ilhad, qu'est-ce que c'est al-ilhad, et eux ils répondent, c'est le fait de nier le créateur, et le cheikh il répond, et il dit, n'est-ce pas que le shirk, et le fait d'adorer autre que Allah, ça fait partie des plus grandes formes de ilhad, hein, que tu offres l'adoration à autre que Allah et que tu adores autre que Allah, tout ça c'est pas une forme d'ilhad aussi, bien sûr que c'est al-ilhad aussi,
hein, c'est une des plus grandes formes d'ilhad. Et de même que celui qui insulte le messager sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba, lui aussi il fait une forme d'ilhad, hein. Et la personne qui insulte les sahaba et qui insulte la mère des croyants, Aïcha radiyallahu anha, et qui la décrit en disant qu'elle a fait ce que Allah l'a innocenté d'avoir fait, hein, c'est sûr que lui, il est en train d'insulter et de rabaisser le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il est en train d'accuser le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant qu'il y a dans sa famille du mal, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé de ce mal dans sa famille. On demande à Allah le pardon, hein, d'une parole pareille. Et le cheikh, il dit que Allah a choisi, hein, cette femme pour son prophète, hein, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, donc ça voudrait dire qu'Allah aurait choisi une femme mauvaise pour son prophète. Et donc il dit que ça c'est une insulte envers Allah et une insulte envers le messager sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait accepté et il aurait été satisfait de cette épouse alors qu'elle n'était pas bonne. Hein, donc ça c'est clair que c'est une forme de kufr. Et qui est-ce qui accuse les sahaba de ces choses-là? Et qui est-ce qui accuse les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam de ces choses-là? C'est les rafidahs, les shi'a, ils insultent les sahaba et les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui adorent autre que Allah, comme les gens qui adorent les tombes parmi les soufis, hein, ça fait une forme de ilhad aussi. Et donc comment vous pouvez dire que vous allez vous unir avec eux et que vous voulez pas parler des différences qui existent entre les sectes, parce qu'il faut accepter le pluralisme, hein, c'est ce qu'ils disent aujourd'hui, que la réalité de l'islam aujourd'hui c'est une réalité pluraliste, hein, et donc il ne faut pas critiquer les groupes, il faut accepter tout le monde et il faut se mettre ensemble contre l'athéisme, c'est quoi ça, hein? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que cette religion c'est une religion pluraliste, hein? Le tawhid c'est l'unicité, c'est pas la pluralité, alhamdoulilah. Donc c'est des gens qui contredisent même la compréhension des fondements de l'islam. Et donc le cheikh il dit وكذلك الذين يتنقصون الصحابة ويكذبون الله تعالى لأن الله تعالى أثنى على الصحابة في آيات كثيرة قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. De même que ceux qui disent par exemple on va s'unir avec les chrétiens et les juifs et faire des rapprochements avec eux parce que on veut combattre l'athéisme ou le communisme ou des trucs comme ça. Subhanallah, les chrétiens ils disent que Jésus c'est le fils de Dieu ou que Dieu est incarné en lui et ils l'adorent et ils adorent sa mère Marianne et ils adorent les saints, hein, de l'église catholique. Ils ont environ plus que 300 saints, un pour chaque jour de l'année, qu'ils prient chaque jour, ils leur demandent des intercessions ou des faveurs. Donc comment tu pourrais considérer que ces gens-là vont pouvoir t'aider à combattre quoi que ce soit de l'athéisme? Et eux sont les premiers à faire l'ilhad. De même que les juifs qui ne croient pas au messager, Isa alayhi salam, qui ne croient pas à l'Injil, qui ne croient pas au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qui ne croient pas à le Coran, et qui font toutes sortes d'attaques et de combats contre Allah et son messager et contre les prophètes en général. Donc comment on peut considérer que ces gens-là peuvent nous aider à combattre l'ilhad, hein, et qui disent par exemple, ah oh, mais non, il ne faut pas regarder ce qui nous divise, il faut regarder ce qui nous unit. Mais qu'est-ce qui nous unit avec le kufr et le shirk? Hein? Donc Allah al-Musta'an. Le cheikh il dit, en parlant des gens qui insultent les sahaba, il dit attends, jusqu'où j'ai lu? Jusqu'à l'ayah? Ok, donc le cheikh il dit قال وكذلك الذين يتنقصون الصحابة ويكذبون على الله لأن الله تعالى أثنى على الصحابة في آيات كثيرة قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار فهؤلاء المهاجرون والأنصار هم الصحابة رضي الله عنهم وهؤلاء يقولون الصحابة كفروا ولم يبق منهم على الإسلام إلا أربعة وما هذا إلا تكذيب لله جل وعلا يقول الله جل وعلا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ف
فيقولون الصحابة كفار سبحان الله يظنون من أثنى الله عليهم ويكفرون من أثنى الله عليهم والله جل وعلا يقول للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون هؤلاء هم المهاجرون ثم قال في الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون هؤلاء هم الأنصار هذه صفاتهم ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الشيخ الزي et ceux qui rabaissent les sahaba et qui démentent Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a glorifié les sahaba dans plusieurs versets dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat al-Tawbah et al-Sabiqoun, ceux qui ont précédé, al-Awwaloun, les tout premiers parmi les muhajirines, les premiers croyants, hein, parmi les muhajirines, ceux qui ont émigré, c'est-à-dire qui ont quitté al-Makkah pour aller vers al-Madina, hein, les premiers sahaba. Et Al-Ansar, c'est-à-dire les gens qui ont cru parmi les habitants de Médine, les qui ont accueilli les Muhajirines, hein, et ceux qui les ont suivis de la meilleure façon, radiyallahu anhum, Allah a été satisfait d'eux. Wa radu anhu, et eux ont été satisfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train de nous dire dans le Coran, que à propos de ces gens-là, il a été satisfait. Radia anhum. Hein? Il nous a agréés. Donc quiconque peut venir par la suite puis prétendre qu'ils sont kuffars ou les insulter ou dire des choses contre eux alors que Allah il a été satisfait d'eux, c'est parce qu'il traite Allah de menteur et qu'il nie la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le shaykh il dit, et donc ceux-là, les muhajirs et les ansars, ce sont qui? Ce sont les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et eux, les rafidah, les shi'a, ils disent qu'ils sont des kuffars et qu'aucun d'entre eux ne sont restés sur l'islam après la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, excepté quatre. Et tous les autres sont devenus kuffars, imaginez. Pourquoi ils disent ça? Ils disent parce qu'ils n'ont pas mis Ali comme le khalifa. Ils n'ont pas mis Ali, radiallahu anhu, comme le Khalifa. Alors à cause de ça, ils sont tous devenus kuffars, a'udhubillah. Donc le cheikh il dit, regardez ce que Allah il dit à propos des sahaba. Il dit, et Muhammad est le messager d'Allah, et ceux qui sont avec lui sont durs envers les kuffars et miséricordieux entre eux. Tu les vois se prosterner, hein, s'incliner, se prosterner en recherchant l'agrément d'Allah et son agrément. La grâce d'Allah et son agrément. Et tu vois dans leur visage le signe de leur prosternation. Donc ça c'est des exemples à leur sujet. Et comment Allah parle d'eux de la meilleure façon et comment il les décrit par les meilleures descriptions. Ça c'est le verset 29 dans Surat al-Fatih. Après le Cheikh il dit comment ces gens-là pourraient dire par la suite qu'ils sont kuffar, a'udhu billah. Hein, il dit subhanallah le Cheikh. Et il critique et il blâme. Hein? Vous voyez aujourd'hui des gens, Allah musta'an, ils voient qu'est-ce qui se passe au Liban avec Nasr al-Lat, et ils voient qu'est-ce que le Hizb al-Shaytan est en train de faire, soi-disant contre les Israéliens, et ils disent, ah regardez, ils sont courageux, ils sont forts, ils n'ont pas peur des Juifs. Hein? Alors qu'eux, ils sont plus kuffars que les Juifs, Allah musta'an. Et ils insultent les Sahaba, hein, qui ont défendu l'Islam, qui ont amené l'Islam, qui ont supporté le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils disent à leur sujet qu'ils sont des kuffars. A'udhu billah. Comment des gens pourraient croire que ces gens-là sont sur quoi que ce soit de la vérité alors qu'ils insultent les meilleurs de cette umma? Ensuite, le cheikh il mentionne un verset dans Surat al-Hashr, le verset 8. Allah subhanahu wa ta'ala, encore une fois, il glorifie les sahaba. Il dit, et les pauvres parmi les muhajirines, ceux qui ont été expulsés de leur demeure, hein, et qui ont été privés de leurs biens, hein, ils recherchent l'agrément d'Allah et la grâce d'Allah et son agrément, et ils viennent en aide, et ils secourent
Allah subhanahu wa ta'ala, il donne la victoire à Allah et à son messager, ceux-là sont les véridiques. Hein. Regardez tout ce que les sahaba ont enduré comme difficulté pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont partis à Médine, pas parce qu'ils avaient besoin d'aller à Médine ou parce qu'ils avaient de l'intérêt là-bas, comme dans la dunya, des choses comme ça. La vie à Médine est difficile. Ils ont quitté tous leurs biens et leur famille et tout, leur demeure pour Allah et son messager uniquement. Et après, il dit, ceux-là sont les muhajirun, c'est ceux qui ont fait la hijra et qui ont quitté Médine, Mecca pour aller à Médine. Ensuite, Allah, il parle des ansar, comment il les décrit. Il dit, et ceux qui ont habité à la maison, dans la maison, c'est-à-dire à Médine, et tabawwa'u ad-dar wal-iman, ils étaient les habitants à la base de Médine. Non. Et ceux qui sont venus s'installer, et il appartient également à ceux qui, avant eux, se sont installés dans le pays et dans la foi, c'est-à-dire les habitants de Médine, la terre de l'islam, c'est ça. يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ. Ils aiment ceux qui sont venus faire la hijra vers eux. وَلَا يَجِدُوا فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا. Comment les chefs, comment la traduction ici? Ils aiment ceux qui viennent faire le hijra vers eux et ils ne ressentent dans leur cœur aucune envie pour ce que ces émigrés ont reçu. Ils n'ont aucune envie, il y en a dans leur cœur, pour ce que les muhajirines ont reçu. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً. Regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala, il parle des ansar. Il dit, et ils les préfèrent à eux-mêmes, ils préfèrent les muhajirines à eux-mêmes, malgré que eux-mêmes ils sont dans une pénurie. Ils n'ont rien, même pour eux-mêmes, malgré tout, ils préfèrent les muhajirines à eux-mêmes, et quand ils ont quelque chose, ils préfèrent le donner aux muhajirines plutôt que de le garder pour eux-mêmes. Ça c'est l'attitude, qu'est-ce que les ansars avaient dans leur cœur pour les muhajirines. Ils disent pas par exemple, vous venez voler nos emplois et des trucs comme ça, alhamdoulilah. Maintenant, si des musulmans, parfois, ils vont aller faire les hijras dans les pays musulmans. Des fois, les gens qui habitent dans ces pays musulmans-là, ils regardent les musulmans qui viennent faire la hijra, ils les regardent avec un drôle d'air, en vous disant, mais qu'est-ce que vous venez faire ici? Vous quittez les pays de Kouf, l'Occident, où il y a tout la dunya, puis vous venez vivre ici, pourquoi vous faites ça? Ils comprennent pas la raison, Même une fois j'étais à Médine, Allah Musta'an, et j'ai rencontré un musulman là-bas, il m'a vu, il m'a dit, d'où tu viens? Je lui ai dit, j'habite au Canada, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Retourne au Canada, il n'y a rien ici, A'udhubillah. Et j'ai dit, subhanallah, moi je viens pour étudier l'islam, toi tu me dis, retourne pour aller au Canada, A'udhubillah. Donc c'est pour des exemples là, pour vous montrer que l'attitude de comment les gens, comment des fois ils comprennent mal l'islam, Allah Musta'an. Et donc le cheikh il dit, ça c'est la description des ansar, et quiconque se prémunit contre sa propre avarice, alors ceux-là sont ceux qui réussissent, ils ont réussi à se débarrasser de l'avarice qu'ils avaient en eux-mêmes, alhamdulillah. Et ça c'est leur description. Après, il y a le verset qui suit par la suite. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الشيخ il mentionne ce verset là par la suite, qui est la suite de ces versets, qui dit, et ceux qui sont venus après eux, c'est-à-dire ceux qui sont venus après les muhajirin et les ansar, ils disent, oh Allah, oh notre Rabb, notre Seigneur, pardonne-nous et pardonne à nos frères qui nous ont précédés dans la foi et ne met pas dans notre cœur aucune rancune pour ceux qui ont cru. Oh notre Rabb, tu es certes Ra'oufun Rahim. C'est pour dire que les croyants, ils n'ont pas de rancune pour ceux qui ont cru avant eux. Ils n'ont pas de rancune. Et donc, on voit ici que ça, c'est pour dire en réalité que ceux qui ont de la rancune dans leur cœur, contre les muhajirins et les ansars, en réalité, ils ne sont pas parmi les croyants, ils n'entrent pas dans ce dua.
et c'est une preuve qu'ils sont des kuffars s'ils les détestent. Et le cheikh il dit, ولكن إذا كان ممن جاء بعدهم من يقول اللهم لعن أبا بكر وعمر ولعن عائشة أم المؤمنين ولعن فلان وفلان من الصحابة رضي الله عنهم ما حكمهم عند الله تعالى نسأل الله العافية ولكن يجب على الشباب على شباب المسلمين أن يتنبهوا إلى هذه الأمور وأن لا ينخدعوا بهذه الدعايات والتضليلات وأن من قال إنه مسلم فهو مسلم ولو صدر منه ما ينقض إسلامه ولا نفرق بين الناس فنقول إننا لا نفرق بين الناس الصالحين الطيبين وإنما نفرق بين الطيب والخبيث قال تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون الشيخ الديسي Lorsque tu vois, après tout ce qu'on a expliqué comme verset et tout, tu vois que des gens qui viennent après, au lieu de chercher le pardon pour les croyants qui ont précédé dans la foi, ils disent « Oh Allah, maudit Abu Bakr et Omar, oh Allah, maudit Aisha, ou maudit la mère des croyants, ou maudit un tel ou un tel parmi les sahaba, radiallahu anhum. » Alors, qu'est-ce que sera leur jugement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, s'ils disent des choses pareilles et qu'ils insultent les sahaba de cette façon, hein. Donc il y a des gens, ils se laissent attraper facilement, ils ont une analyse très superficielle de qu'est-ce qui se passe à la télé dans le monde musulman, ils regardent les événements politiques et ils ne voient que qu'est-ce qui se passe en apparence et ils ne retournent pas à la aqida des gens qui sont en train d'agir et donc ils regardent juste en apparence et ils disent ah, ceux-là ils font ça et donc ils sont corrects. Non, ça n'a rien à voir. Et il faut voir au fond des choses, il faut aller plus loin. Quand tu vois des gens qui insultent les sahaba, il faut tout de suite t'écarter de ces gens-là. Et donc, le cheikh dit que les jeunes musulmans doivent faire attention à ces choses-là et de ne pas se laisser tromper par toutes ces fausses publicités et ces slogans et ces égarements, hein, de la personne qui dit « Ah, je suis musulman ». Hein, même si quelqu'un dit des choses qui sont en opposition avec son islam et au fondement de son islam, hein, il ne faut pas distinguer entre les gens. Et tout le monde est musulman, peu importe qu'est-ce qu'il dit, peu importe qu'est-ce qu'il fait. Non, ça c'est pas correct, ça c'est pas vrai. Le cheikh il dit, ces gens-là, ils disent, il ne faut pas diviser entre les gens, il ne faut pas distinguer entre les gens. Le cheikh il dit, nous on leur répond, non, nous on ne divise pas entre les gens qui sont bien et qui sont corrects. On divise uniquement entre le bon et le mauvais. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 100, dans surat al-Ma'ida, hein, qu'il n'y a pas, ils sont pas égaux. Il y en a dit, attends, on va retourner au verset, la traduction, ça va être plus facile. Le cheikh, il dit, ce verset-là dit, le mauvais et le bon ne sont pas semblables, ne sont pas égaux, même si l'abondance du mal te séduit. Et craignez Allah donc aux gens intelligents afin que vous réussissiez. Okay? Donc ça veut dire que le bien et le mal, hein, et le bon et le mauvais, ils ne sont pas égaux. Même si tu vois que le nombre des gens qui sont mauvais sont plus grands que ceux qui sont bons, il ne faut pas se laisser éblouir par ça. نحن لا نفرق بين المسلمين حاشا وكلا وإنما نفرق بين الطيب والخبيث ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم وأولئك هم الخاسرون في سورة الأنفال afin qu'Allah distingue le mauvais du bon et qu'il place les mauvais les uns sur les autres pour en faire un amoncellement qu'il jettera dans l'enfer. Ceux-là sont les perdants. Hein? Subhanallah. Donc Allah il distingue le mauvais et le bon, hein? Et il les place les mauvais, tous les uns sur les autres pour en faire une pile, et puis après quand ils ont fait, une montagne de gens mauvais, ils les jettent tous dans l'enfer. Donc c'est important de distinguer entre le bon et le mauvais. Et il y en a des gens aujourd'hui qui disent non, il faut pas parler de ça, il faut pas dire ça, il faut pas clarifier ça, il faut pas expliquer ça. Pourquoi? Parce que si tu dis ça, les gens vont s'enfuir. Mais qui vont s'enfuir?
En grande partie, les gens qui s'enfuient de la vérité, c'est les gens qui n'aiment pas la vérité. Mais ceux qui aiment la vérité, quand ils vont l'entendre, ils vont pas s'enfuir, ils vont l'écouter la vérité. Hein? Et donc c'est important justement de faire clarifier la vérité pour que ceux qui aiment la vérité se rapprochent de cette vérité-là et que ceux qui détestent la vérité s'enfuient de cette vérité-là. Et là, c'est là que les rangs vont être tranchés et c'est là que les gens qui aiment la vérité vont pouvoir se réunir ensemble. Mais du moment où on a un discours où tout le monde est réuni ensemble et qu'on ne distingue pas entre qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux et qu'on dit il ne faut pas diviser les gens, il ne faut pas faire tuer les gens, mais là qu'est-ce qui arrive? Eh bien les hypocrites, les munafiqines et les mubtadi'a, tout le monde se mélange ensemble et là après on ne sait plus qui est avec qui est pour qui est contre qui, et là après c'est ce qui se passe maintenant, toute la confusion qui se produit maintenant parmi les musulmans, c'est à cause de ça. On n'a pas un discours clair, on n'a pas un discours qui est yani tranchant. Le cheikh dit ensuite, فالله عز وجل ميز بين الخبيث والطيب فالذي لا يميز بين الخبيث والطيب إما أنه ليس عنده عقلية يميز بها وإما أنه ليس عنده إيمان. Des fois j'expliquais ça à des frères, même à des frères, des fois il y en a qui disent ah non mais il faut pas parler de par exemple expliquer certaines choses de l'islam, et si tu expliques ces choses-là, ça va faire fuir des personnes. Et en parlant des non-musulmans aussi, des fois quand on parle de da'wah, sinon il ne faut pas dire trop ouvertement les choses. Et au contraire, parfois même il y a des chrétiens, il y a des juifs, il y a des athées, des fois ils cherchent la vérité mais ils ne la trouvent pas. Pourquoi ils ne la trouvent pas? Parce qu'ils n'entendent aucune voix, aucune chose qui est claire autour d'eux. Tout ce qu'ils entendent autour d'eux, c'est des choses ambiguës, vagues, il n'y a rien de précis, de tranchant et de clair. Donc quand ils entendent quelqu'un qui dit « voici ce que Dieu a dit, voici ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit » et qu'on leur explique clairement les choses, ceux parmi eux qui dans leur cœur ont une fitra, qui ont une bonne nature, qui est restée propre et qui aiment vraiment la vérité, tout de suite quand ils vont entendre ça, ils vont dire « ah, ça c'est la vérité, ça c'est la religion de l'islam, ça c'est la vérité, ça c'est en ça que je crois ». Hein? Et même il y a des gens que je connais parmi des frères qui sont convertis, et moi-même, je me souviens, quand on a entendu parler de l'islam, on ne savait même pas ce que c'était l'islam. Moi, avant l'islam, je me souviens, je ne savais même pas ce que c'était l'islam. Moi, dans ma tête, qu'est-ce que j'avais appris à l'école des professeurs qui étaient chrétiens, c'est que les musulmans, c'est des gens qui ne croient pas en le prophète Jésus, qui croient pas en, qui ont un Dieu à eux qui s'appelle Allah, ce n'est pas le même que le Dieu des autres prophètes. Et qui nous disait par exemple que les musulmans ils adorent des statues, des trucs comme ça, on ne savait pas ce que c'était l'islam. Mais quand quelqu'un nous a clarifié, nous dit les choses clairement, et bien là par la suite on a vu que c'était la vérité. Mais si quelqu'un n'entend pas la vérité, comment il va faire pour savoir que c'est la vérité? Et comment il va faire pour savoir qu'il doit l'accepter? Hein? Si quelqu'un par exemple, même les koufars, souvent vous voyez par exemple des gens qui disent, parmi les koufars, les gens aujourd'hui, il y en a beaucoup qui, soi-disant, refusent de critiquer les homosexuels, par exemple. Hein. Et ben, quand vous entendez, par exemple, des koufars, il y en a plein qui sont contre l'homosexualité parmi les koufars. Ils sont contre ces choses-là, mais ils n'osent pas le dire. Et ils n'osent pas vraiment le dire ouvertement, mais au fond de leur cœur, ils savent que c'est mauvais. Et quand ils entendent par exemple qu'il y a des musulmans par exemple qui vont dénoncer certains de ces péchés-là, qui vont clarifier la position, eh bien ils vont l'accepter. Ça c'est un point de la religion, mais le plus important, si on retourne même à la base de l'islam, comme par exemple le tawhid, eh bien le fait qu'il y a des gens parmi les chrétiens qui adorent des tombes et des saints, ou qui par exemple vont voir le prêtre pour se confesser quand ils font un péché, hein. Si on entend un musulman qui dénonce ces choses-là, qui disent que ça c'est shirk, et ça c'est contraire à la vérité, contraire même à l'enseignement des prophètes, s'ils entendent ça, ils vont savoir qu'on est contre ça, ils vont dire « ah vous êtes contre ça ?»« Ah mais c'est bon ça hein ?» Ils vont commencer à aimer l'islam. Mais si vous ne leur dites pas, et si vous ne leur faites pas comprendre c'est quoi la position de l'islam par rapport à ces choses-là, comment ils vont être attirés à savoir qu'est-ce que c'est l'islam, et comment ils vont vouloir se convertir à l'islam? S'ils ne savent pas, pour beaucoup de non-musulmans, l'islam c'est quoi? C'est la religion des Arabes.
Et c'est mélangé avec la coutume pour eux. Ils ne savent pas rien de la croyance des fondements de l'islam. Qu'est-ce que c'est? Le tawhid, l'aqida, l'usul et tout ça. Ils ne savent rien de ça. Donc quand vous leur expliquez ça, des fois, ils sont étonnés. C'est ça l'islam? Ah, mais subhanallah, même il y en a qui disent, moi, si c'est comme ça, alors j'ai toujours été musulman. Dans mon cas, j'ai toujours cru en ça. Hein? Même Allah il dit ça dans le Coran à propos de certains parmi les gens du livre. Donc c'est pour dire qu'il ne faut pas hésiter, et il faut oser parfois dire des choses aux kuffars de l'islam. Il ne faut pas s'auto-censurer parfois par peur qu'en soi-disant ils ne vont pas accepter. Non. Tu ne sais pas ce qu'Allah a mis dans le cas d'une personne par rapport à la vérité. Est-ce qu'il aime vraiment la vérité? Hein? Donc ça c'est très important. Et le cheikh dit فالله عز وجل ميز بين الخبيث والطيب فالذي لا يميز بين الخبيث والطيب إما أنه ليس عنده عقلية يميز بها وإما أنه ليس عنده إيمان فكل الناس عنده سواء ولا عنده إيمان يفرق به بين المؤمن والمنافق والكافر والمسلم والملحد والزنديق ما عنده تفريق بين الناس هذا إما أنه فاسد العقل وإما أنه فاسد العقيدة والعياذ بالله فيجب على المسلم أن يعرف هذه الأمور ويتأمل هذه الآية قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم لا يقبل عذر من استهزأ بالله ورسوله ودل على أن من سب الله ورسوله يكفر ورسوله صلى الله عليه وسلم يكفر. Le cheikh il dit donc que Allah lui il a distingué entre le bon et le mauvais. Donc celui qui refuse de distinguer entre le bon et le mauvais, c'est deux choses. Soit qu'il n'a pas de raison, il n'est pas capable de distinguer, ou bien soit qu'il n'a pas de foi. Soit qu'il n'a pas de raison ou soit qu'il n'a pas de foi, un des deux. Et les deux sont mauvais. Et le cheikh il dit que tous les gens sont égaux pour ces gens-là. Tous les gens sont pareils pour eux. Ils font aucune distinction entre le croyant, l'hypocrite, entre le kafir et le musulman, entre le mulhid et le zindiq. Toutes ces choses-là pour eux sont pareilles. Ah, dis pas lui, il ne fait pas de différence entre les gens, tout le monde est pareil, il ne faut pas diviser les gens. Et le cheikh dit que quelqu'un qui pense comme ça, c'est deux choses. Soit qu'il n'a pas de raison, ou soit qu'il a une mauvaise aqida. Wallahiyadu billah. Donc il dit que le musulman, il faut qu'il connaisse ces choses, et il faut qu'il médite sur ce verset, dit « Est-ce d'Allah, de ses signes, de son messager, dont vous vous moquiez ?» Ne vous excusez pas, vous avez certes mécru après avoir eu la foi. Et le cheikh dit que Allah n'accepte pas l'excuse de celui qui s'est moqué d'Allah et de son messager. Et ça c'est la preuve que celui qui insulte Allah et qui insulte le messager, il a mécru en Allah. Et dans les pays musulmans, dans certains pays musulmans, Allah musta'an, il y a des gens qui insultent Allah comme si rien n'était. Il y en a des gens qui insultent le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme si rien n'était. Peut-être il y en a qui n'insultent pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam autant qu'ils insultent Allah, Allah musta'an. Mais il y en a qui insultent Allah, il y a des musulmans qui m'ont dit ça. Il y a des frères musulmans qui m'ont dit, dans notre pays, les gens ils insultent Allah comme ça, comme si rien n'était. A'udhu billah. Donc, chez les koufars, on entend ça souvent, des gens qui insultent Allah, et ça c'est pas surprenant de leur part, mais quand quelqu'un te dit que dans les pays musulmans, il y a des gens qui insultent Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est quelque chose que tu peux pas comprendre avec ta tête, lorsque tu as lu le Coran et que tu as compris l'islam, tu dis, mais comment c'est possible que des musulmans insultent Allah subhanahu wa ta'ala, a'udhu billah. Donc c'est pour vous dire que ces gens-là, ils sont pas des croyants, s'ils ont insulté Allah. Le cheikh il dit, وقد ذكر العلماء أن الاستهزاء ينقسم إلى قسمين استهزاء صريح بالقول واستهزاء بالإشارة والاستهزاء بالإشارة كأن يمد شفته استهزاء أو يمد عينه استهزاء أو يشير إشارة تعطي التنقص والاستهزاء فهذا يعد تنقصا واستهزاء وإن لم يتكلم قال تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وعلى المسلم أن يتنبه لهذه الأمور ويتجنب الكلام السيء ولا سيما الكلام في أمور الشرع وأهل الشرع والعلماء وأن يحفظ لسانه قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Le cheikh il dit que
les ulama ont parlé de la moquerie et de, du fait de se moquer de la religion, et ils ont dit que ça se divise en deux catégories. La moquerie et le, la moquerie par la parole qui est directe, qui est claire, et celle qui est indirecte et qui est par des signes. Hein, pas par la parole, mais par des signes. Et le chef, il dit que ça, c'est comme par exemple quelqu'un qui va bouger ses lèvres comme d'une façon pour montrer qu'il est, qu'il se moque, ou bien soit qu'il va se moquer en faisant des airs avec ses yeux, ou bien qu'il va y montrer ou faire des indications ou des signes qui indiquent un rabaissement ou une insulte ou une moquerie de la envers la religion. Et même s'il n'a pas parlé, dans des cas comme ça, ça c'est considéré aussi comme une forme de moquerie envers la religion, et donc ça c'est kofr aussi. Et il mentionne le verset 29 dans Sourate al-Mutaffifin qu'on a mentionné tout à l'heure, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il décrit ceux qui se moquent des croyants en disant « وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَرَامَزُونَ » يَتَرَامَزُونَ, c'est-à-dire ils se jettent des regards entre eux, puis ils se font des œillades et puis ils se moquent. Des croyants par des regards. وعلى المسلم, donc le musulman il doit faire attention de s'écarter de toutes ces choses-là et de tout ce genre de paroles et de choses qui peuvent être une moquerie, en particulier la parole ou les choses qui ont rapport avec la religion, la charia, et les gens qui portent cette charia comme les ulama, et il doit préserver sa langue de dire des choses de ce genre. Et il mentionne le verset 18 dans Surat Qaf. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد, c'est-à-dire que toute parole qu'il prononce, hein, quand il la prononce, il y a un ange qui écrit et qui est proche et qui surveille tout ce qui sort de sa bouche. Hein. Donc il faut faire attention justement de pas dire n'importe quoi par rapport au fait que tout ce qu'on dit est écrit par les anges. Et le cheikh dit ولا تعرف الحق من الباطل إلا إذا تعلمت العلم النافع. وقد أنزل يعني ça c'est important. Il y a des gens aujourd'hui qui font beaucoup d'importance, ils donnent beaucoup d'importance aux règles de la charia. Bien entendu, il n'y a pas de doute que c'est important d'apprendre comment faire le wudu, d'apprendre comment faire la salat et d'apprendre comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça c'est important pour un musulman et c'est fondamental. Toutefois, la connaissance du tawhid et la connaissance des fondements de la religion et la connaissance de ce qui fait rester quelqu'un dans l'islam et qui le fait, et la connaissance de ce qui annule l'islam d'une personne, ça vient en premier de tout. C'est plus fondamental encore, d'accord? Parce que si tu fais l'ozo et que tu fais la salat mais que ton islam est annulé par une croyance fausse ou par quelque chose de contraire à l'islam, alaykoum salam, eh ben tu pries pour quoi? Tu pries pour qui? Hein, si tu ne connais pas d'aqida, si tu contredis ton tawhid, ça sert à quoi de faire le wudu si tu n'as pas une base, hein, une base qui est correcte dans ta croyance et dans ta foi. Donc, il y en a déjà qui dénigrent les discours qui expliquent aux gens les fondements de la croyance, et ça c'est triste. Et donc le cheikh il dit, « La ola ta'arif, ou la tu'arif al-haq, min al-batil, illa iza ta'allamt al-ilm al-nafi' » وقد أنزل الله الفرقان وهو القرآن للتمييز بين الحق والباطل قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا فيجعل في قلوبكم نورا تعرفون به الحق من الباطل فالقرآن فرقان والتمييز الذي يجعله الله في قلب المؤمن فرقان أيضا فرقان أيضا لأنه يفرق بين الحق والباطل فلا يلتبس عليه هذا وهذا ولا تؤثر عليه الدعايات المضللة والشبهات المزوقة ولكن هذا يحتاج إلى عناية وتعلم ويحتاج إلى حذر من المنافقين والزنادقة المندسين بين صفوف المؤمنين المسلمين وأن لا يحضر مجالسهم إذا حضر فليكن على استعداد للإنكار عليهم وإنكار مقالتهم ورد شبهاتهم. Le cheikh il dit que donc on peut pas savoir qu'est-ce qui est vrai et faux excepté si on a appris la bonne connaissance, la connaissance bénéfique,
hein, tu ne peux pas distinguer entre ce qui est vrai et faux, sauf si tu connais vraiment bien ta religion. Hein. Et donc c'est important de l'étudier et de la connaître, et de connaître les fondements de la religion. Il y a des gens, comme je disais tout à l'heure, ils se limitent à la connaissance de l'islam par rapport aux cinq piliers de la religion. Hein, de savoir comment faire la salat, le jeûne, le hajj et la zakat. Et ils pensent que c'est ça, ça y est, t'as connu ça, t'es un musulman. Et le premier pilier, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ils n'en connaissent que le sens apparent et ils ne savent rien de qu'est-ce qui est vraiment détaillé de cette question-là. Et donc c'est ça qui fait qu'ils n'arrivent pas à distinguer entre qu'est-ce qui est vrai et faux dans les affaires de la croyance qui sont propagées dans le monde. Et ça c'est dangereux, yani, le fait de ne pas pouvoir distinguer dans ces choses-là. Et le cheikh il dit qu'Allah il a fait descendre Al-Furqan, et Al-Furqan c'est le discernement, et c'est le Coran qui distingue entre le vrai et le faux. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit, ô vous qui avez cru, si vous craignez Allah, Allah vous donnera le discernement, vous donnera le Furqan. C'est-à-dire qu'il mettra dans vos cœurs une lumière qui vous permettra de distinguer entre le vrai et le faux. Donc le Coran c'est un discernement, et la distinction que Allah met dans le cœur du croyant, hein, c'est un discernement aussi. Et par ce discernement-là, on arrive à distinguer entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Et donc les choses qui nous sont présentées, si elles sont mélangées ensemble, le vrai et le faux, ben on arrive à trancher et à ne pas se faire tromper justement par qu'est-ce qui nous est présenté. Et toutes les présentations, les slogans qui peuvent égarer les gens, ou les shubuhat, les ambiguïtés qui sont lancées sur les gens, eh ben ça va pas. La personne qui a ce discernement-là, il peut pas se faire tromper par ce genre de choses-là. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont, ils ont vraiment atteint un niveau de maîtrise, yani, dans la façon de tromper les gens par toutes sortes de slogans et de termes et de belles paroles, et ils arrivent à faire comprendre aux gens que qu'est-ce qui est faux c'est vrai, et qu'est-ce qui est vrai c'est faux. Actuellement c'est comme ça. Actuellement les gens, qu'est-ce qui est vrai pour eux c'est le faux, et qu'est-ce qui est faux pour eux c'est le vrai. Hein? Donc c'est ça ce qui arrive, et la raison de ça c'est le fait que les gens n'ont pas la connaissance nécessaire et n'ont pas aussi al-furqan, yani le fait qu'ils ne se basent pas sur justement la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala pour distinguer entre ce qui est vrai et faux. Et le cheikh il dit ensuite, et donc ça il faut que pour que quelqu'un soit capable de distinguer dans ces choses-là, il faut qu'il donne de l'importance à ça et qu'il apprenne qu'est-ce qu'il a besoin de sa religion, et qu'il fasse attention aux hypocrites et aux hérétiques, des gens qui s'infiltrent à travers les rangs des musulmans et qui jettent leur poison à l'intérieur. Et donc de ne pas assister aux assemblées où les gens commencent à se moquer ou à attaquer l'islam, et si tu es présent, alors sois prêt à t'objecter et à répondre aux fausses paroles qui sont lancées et à réfuter les shubuhat, les ambiguïtés que ces gens-là vont, vont lancer. Tatian, neuvièmement, al-aya al-karima aydan, mas'alatun daqiqa, hein, mas'alatun daqiqa wa hiya anna man sabba Allah, aw sabba rasulahu, aw sabba rasulahu sallallahu alayhi wa sallam, aw kitabahu, أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنه يكفر سواء كان جادا أو هزلا أو مازحا، لأن هذا الأمر ليس فيه مزح ولا هزل، فلا يجوز الهزل والمزح في هذا الأمر. فمن سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو القرآن أو الصحابة أو من تبعهم من أهل العلم فإنه يناله هذا الوعيد الشديد ولو كان مازحا، لأن هؤلاء الذين نزلت فيهم الآية قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، فلم يقبل الله عذرهم، بل قال قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم،
علق الحكم بمجرد الاستهزاء فالاستهزاء بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم والاستهزاء بالآيات ليس فيها مزح ولا لعب ويجب احترام هذه الأمور وعدم الاستهزاء بها والمزح بها. الشيخ يزيد يعني que ce verset là, dans ce verset il y a un point très très subtil qui est important, et c'est que quiconque se moque, insulte Allah ou son messager ou son livre ou la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, alors il est kafir, même s'il le fait dans peu importe qu'il soit sérieux ou qu'il soit en train de faire une blague ou de se moquer. Donc il dit que les questions de religion, ça, on n'a pas le droit de faire des blagues à ce sujet-là. Puis le fait que tu dis ah mais non je blague ou ah non c'est une blague, eh ben ça fait pas une excuse, ou ça représente pas une excuse valable pour justifier que tu as le droit de te moquer ou d'insulter la religion. Et le cheikh il explique que quelqu'un qui insulte Allah, insulte le messager, insulte le Coran ou les Sahaba ou ceux qui ont le ilm, à cause du ilm qu'ils ont, eh ben il a cette menace qui est mentionnée dans ce verset-là. Même s'il disait qu'il faisait ça pour blaguer, hein, il n'était pas sérieux. Mais non, je blague, je suis pas sérieux. Hein, il est concerné quand même et il rentre dans le verset. Parce que les gens sur qui le verset est descendu, ils ont dit comme excuse إِنَّمَا كُنَّا نَخُودُ وَنَلْعَبُ. Hein, quand ils ont fait leur blague, quand ils sont allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se sont excusés en disant on faisait juste jouer et discuter comme ça et faire des blagues entre nous. Eh ben Allah n'a pas accepté leur excuse et il a dit est-ce que c'est d'Allah et de ses signes et de son messager dont vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez certes mécru après avoir eu la foi. Et donc le verdict a été rattaché au simple fait de s'être moqué d'Allah et de son messager, et donc et de ses signes. Et donc ça prouve que il n'y a pas de place pour la moquerie et pour le jeu dans cette question-là, et qu'il est obligatoire de respecter, d'avoir un respect dans toutes ces choses-là, et de ne pas se moquer, et qu'on n'a pas à se moquer et à faire des blagues là-dessus. عشرًا ذلك تدل كذلك تدل الآية على أنه يكفر ولو لم يعلم أن هذا كفر، لأن هؤلاء ما علموا أن هذا كفر، فهؤلاء كانوا أهل إيمان، كما قال تعالى قد كفرتم بعد إيمانكم، وما علموا أنه كفر، فالله لم يعذرهم بذلك، فيكفر ولو كان لا يعلم أن سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وآياته كفر. فكيف إذا كان عالما؟ فالأمر أشد. فهذه مسألة مهمة، أنه لا فرق بين الجاد والهازل والجاهل والعالم. ونسأل الله أن ينصر الإسلام والمسلمين ويضل أعداء الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. الشيخ يزي كم dernier point, le deuxième point, que dans ce verset-là il y a la preuve que la personne qui se moque de la religion ou de quelque chose de la religion, il est mécréant, même s'il ne savait pas que de se moquer de la religion c'est kufr. Hein, même s'il ne savait pas que de se moquer de la religion c'est kufr. Parce que ceux-là qui s'étaient moqués à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'avaient pas su que c'était kufr de se moquer de la religion, et malgré ça, ils ont été déclarés kufar par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils étaient des gens qui avaient la foi. Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'ils ont mécru après avoir eu la foi. Et donc Allah n'a pas accepté leur excuse, hein, et il a dit qu'ils ont mécru, même s'ils ne savaient pas que le fait d'insulter Allah et son messager et ses signes étaient kufr. Et qu'est-ce qu'on aurait dit donc dans le cas d'une personne qui sait que c'est kufr, hein, ça c'est pire encore. Et il faut toutefois ici bien comprendre la différence entre le fait de ne pas savoir que de se moquer d'Allah et de son messager c'est kufr, hein, et le fait de ne pas savoir que la chose dont tu te moques fait partie de la religion. Hein. Donc si quelqu'un par exemple se moque de quelque chose mais il ne sait pas que ça fait partie de la religion de l'islam, dans ce cas-là il n'est pas kafir, parce qu'il ne savait pas que c'était quelque chose qui était dans l'islam.
Mais du moment qu'il sait que ça fait partie de l'islam et qu'il s'en moque, alors là, il n'a pas d'excuse pour dire « Ah, je ne savais pas que de se moquer, c'était kouf ». Et là, qu'est-ce qui est obligatoire pour lui? C'est de faire tawba et de revenir à l'islam et de plus recommencer à se moquer de la religion de cette façon-là. Donc ça, c'est la fin de ce point-là. Le cheikh, il termine ce point par ce chapitre par un doua. Puis après, il y a des questions et réponses. Peut-être qu'il y a quelques questions et réponses qui sont bénéfiques. Donc on va en lire quelques-unes. Le cheikh, il dit... الشيخ الذي سؤال سؤال ما أقسام الاستهزاء وما الضابط في الاستهزاء بالعلماء جواب الغالب والظاهر على من استهزى بالعلماء أنهم يستهزئون بالعلماء لما يحملونه من العلم ولا يستهزئون بهم لذواتهم فيقول فلان أعرج أو أعور أو كذا في جسمه وإن كان هذا لا يجوز في حق كل مسلم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن فهو لا يسخر من العلماء إلا لأجل علمهم لشيخ on lui a posé la question au sujet des catégories de raillerie ou de moquerie par rapport aux savants de l'islam. C'est quoi la règle pour savoir quand est-ce que quelqu'un quitte l'islam par rapport au fait qu'il se moque des savants? Le cheikh dit en général, qu'est-ce qui est apparent, c'est que lorsque les gens se moquent des savants, ils se moquent uniquement des savants à cause de la science de la science qu'ils possèdent, la science qu'ils portent, c'est-à-dire la science de la religion. Et quand ils se moquent des savants de l'islam, c'est parce que ce sont des gens qui portent la science de l'islam. Hein? Et il y en a parmi ces gens-là qui se moquent des savants de l'islam, qui dénigrent les savants de l'islam, qui les dénigrent et qui croient qu'ils sont plus au-dessus des savants de l'islam parce qu'ils ont étudié quelque chose de la vie, de la dunya, soit les sciences modernes, la médecine ou l'ingénierie ou autre, et ils pensent que ça leur donne plus de compréhension et de connaissances que les savants de l'islam. Et vous avez ces gens-là dans certaines organisations actuellement, hein, qui, quand vous regardez les conférenciers parfois qui sont invités pour parler, vous voyez, c'est marqué docteur un tel, docteur un tel, docteur un tel, et quand vous vérifiez, vous voyez que ce n'est pas des docteurs en islam, c'est des docteurs en médecine, des docteurs en chimie, des docteurs en technologie ou d'autres trucs, mais dans la charia, ils ne sont pas des docteurs, mais ils trompent les gens avec ce titre de docteur, et vous pensez que c'est des savants d'islam. Et ceux-là, ils dénigrent les savants. Et ils parlent des savants comme si les savants n'avaient aucune science, ils n'avaient rien compris de l'islam. Hein? J'ai entendu certains parmi eux, des fois, qui font des conférences, ils disent, les savants n'ont rien compris. Depuis 1400 ans, les savants n'ont rien compris à ce sujet-là. Et moi, j'ai compris aujourd'hui ce sujet-là. Et subhanallah, hein. Oui, j'ai entendu des gens comme ça, comme Tariq, ça c'est Tariq Souaydan. Il faisait une conférence à Toronto, au Canada. Il dit, je vais parler d'un sujet maintenant. Tous les savants d'islam n'ont rien compris là-dedans. Mais aujourd'hui, moi j'ai compris. Hein. Donc Allah al-Musta'an, lui, il a compris mieux l'islam que les savants de l'islam depuis 1420. Donc c'est des gens comme ça qui pensent qu'ils sont au-dessus des savants de l'islam parce qu'ils ont étudié le management ou je sais pas quoi encore, les trucs de la dunya. Ils ne sont pas des savants de l'islam, c'est des savants qui étudient dans les universités américaines, ils connaissent quelque chose de la dunya, puis ils disent ça y est, on a le droit de faire la fatwa, on a le droit de parler de la religion. Donc ces gens-là, ils dénigrent parfois les ulamas de la charia, et ils se moquent d'eux. Donc le cheikh il dit, c'est quoi la règle? Dans l'apparence, les gens ils se moquent des ulamas à cause de la science qu'ils portent. Il dit, ils se moquent pas d'eux à cause de leur apparence physique ou de leurs défauts, de leur infirmité. Comme par exemple, si quelqu'un d'entre eux, il louche, ou bien par exemple, il voit juste un œil, par exemple, il a un défaut dans son corps, par exemple, il est bossu, ou quelque chose comme ça, quelqu'un va se moquer de lui à cause de ça. Si quelqu'un se moque d'une personne à cause de ces choses-là, des caractéristiques physiques, ça c'est haram pour tous les musulmans, pas juste pour les savants, pour tous les gens en général c'est haram. Mais c'est pas kufr, bien sûr c'est pas kufr, mais c'est haram. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, oh les croyants, qu'une partie d'entre vous ne se moque pas des autres
il se peut qu'ils soient meilleurs qu'eux. Et oh les femmes, hein, et vous les femmes, ne vous moquez pas les unes des autres, peut-être que celles dont vous moquez sont meilleures que vous, hein, des choses comme ça. Donc ça c'est haram pour tout le monde. Et toutefois, les gens quand ils se moquent des ulama, en général, ils se moquent parce que ces ulama-là ont la connaissance de l'islam et ils se moquent d'eux à cause de la science qu'ils possèdent. Ensuite, il dit, ما حكم من يستهزئ بالدين لإضحاك الناس؟ الحكم أنه كافر سواء كان جادا أو هازلا أو يضحك الناس فإنه يكفر بعد إيمانه والدين ليس محلا للاستهزاء والسخرية. Le chef il dit c'est quoi le verdict, on lui pose la question qu'est-ce que c'est le verdict au sujet de celui qui se moque de la religion pour faire rire les gens, et bien il dit que le verdict c'est que c'est un kafir, peu importe qu'il le fasse en étant sérieux ou en se moquant, il le fait pour faire rire les gens, et donc il a mécru après avoir eu la foi, et il dit que la religion c'est pas quelque chose dont on a le droit de se moquer ou de se railler, hein. Donc ça c'est à propos de ce point-là, c'est très important et c'est très intéressant, alhamdoulilah, et donc on espère que ça a été bénéfique pour tous, inshallah, subhanallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.